Alors, des motivations, j'en ai eu plusieurs. Peut-être qu'il en faut un certain paquet pour passer plus d'un an à plein temps et pondre 500 pages. D'abord, une insistance de mon éditeur, Benoît Peters, aux Impressions Nouvelles. Le fait que je voulais aussi rendre hommage à Francis Weber de son vivant. J'ai toujours trouvé scandaleux qu'on envoie des torrents de louanges aux morts. À chaque fois, je me dis, mais pourquoi vous leur dites pas ça quand ils sont vivants? Parce que là, ils peuvent plus vous entendre, là. Alors, il paraît que les humains préfèrent les regrets, sont plus sensibles aux regrets qu'à la gratitude. Mais moi, c'est pas mon cas. Et voilà. Et donc, comme j'aime beaucoup son travail, je voulais lui rendre hommage et lui offrir ça. Une autre motivation importante, c'était de me constituer pour moi, de façon assez égoïste en fait, une méthode d'écriture de comédie. Alors si après ça rend service à plein d'autres gens, j'en suis enchanté, mais je me suis rendu compte récemment que j'avais écrit la dramaturgie et surtout construire un récit pour me constituer une méthode d'écriture, la méthode que j'aurais aimé trouver dans les années 80 quand je me suis lancé dans le cinéma et qui n'existait pas. Enfin, pour moi, qui ne me convenait pas. Donc, j'ai aussi écrit ce livre pour moi, pour écrire des comédies. Car nous adorons tous jouer, et pas seulement à des jeux inoffensifs comme les jeux de société. On pratique ces jeux inconscients dans l'immense majorité des couples et des familles. Monsieur et Madame Lenoir, par exemple. Mais qui a encore déplacé ma brosse à dents? Qui est venu ce soir? Cet échange délicat entre monsieur et madame Lenoir s'appelle un jeu. Oui, bien sûr, ils n'ont pas l'air de beaucoup s'amuser, mais ces disputes leur permettent de passer le temps. Moi, je suis très attaché à l'universalisme, déjà, socialement, politiquement. Et dans tous mes livres, jusqu'à celui-là, je m'attache à mettre au jour les mécanismes universels et intemporels du récit, donc là, en l'occurrence, de la comédie. Ce qui fait que, normalement, ça doit fonctionner pour les Chinois, pour les Suédois, pour les Argentins, pour tout le monde, à n'importe quelle époque, en fait. Et c'est pour ça que je cite des pièces grecques, des films italiens, voilà, toutes sortes, des films américains, des séries américaines, de la bande dessinée, du théâtre, etc. Le fait que les comédies doivent se terminer par un happy end, c'est en effet une longue tradition, c'est presque une idée reçue. Ça date déjà d'Aristophane, hein, Lysistrata, qui est une formidable comédie, se termine par un happy end. Et c'est tout à fait respectable. Simplement, je dis qu'au moment du happy end, on ne rit pas. Ce n'est pas drôle. Le happy end n'est pas drôle. On est ravi que notre protagoniste ait atteint son objectif, qu'il ait trouvé l'amour, qu'il se soit transformé. Formidable, mais ce n'est pas drôle. Et si vous voulez écrire de la comédie pure, où il n'y a que de la comédie, il ne faut pas terminer par un happy end. Il faut terminer par un échec, mais un échec comique. Et les œuvres longues qui se terminent, parce que les courts-métrages, il y en a beaucoup de courts-métrages comiques qui se terminent par des échecs comiques, ça, il n'y a pas de problème. Mais les œuvres longues qui se terminent par un échec comique sont assez rares, en fait, dans le répertoire. Il n'y en a pas tant que ça, j'en cite je sais plus, une vingtaine, mais il y en a très très peu, en fait. Parce qu'il y a cette tradition, en effet, que ça doit se terminer bien. Quand ça se termine par un échec comique, moi, j'éclate de rire. Et je suis heureux, et ça se termine très mal pour le protagoniste, ça c'est sûr, mais moi, pour moi, ça se termine bien, hein. Donc il y a une confusion peut-être entre se terminer bien pour le protagoniste et se terminer bien pour le spectateur. Pas pareil. Il y a une susceptibilité ambiante, un peu générale, qui est. La susceptibilité, ça existe depuis 3000 ans, hein, mais aujourd'hui, elle est. Portée à incandescence par les réseaux sociaux. Et elle peut, en effet, elle crée des censures qui peuvent gêner un petit peu les auteurs comiques. Mais je suis assez confiant sur ce sujet. Je pense que la comédie existera toujours. On en aura toujours besoin, ne serait-ce que dans la vie, en fait.
Et je pense que les susceptibles, les gens qui se vexent facilement parce qu'on s'est moqué de leur chanteur préféré, de leur footballeur préféré, de leur dieu préféré, etc., je pense qu'ils ont perdu d'avance.